Allez, et j'ai lancé YouTube aussi, vous pouvez dire bonjour si vous avez envie. Hop. Tu joues en quelle difficulté? Normal. Normal, normal. Ah oui, toi t'as fini le boss, Rude. Bon, pas de spoil, hein. Bonjour si vous avez envie, putain. Alors. On a un marteau pour le boss. On a un gant. On a une dague. Putain. Ça aide pas beaucoup, ça, hein. Ça, c'est fort, ça. Ça c'est vraiment très fort, le souvenir de revenant. C'est vraiment très, très, très fort. J'ai pas fini, vite, vite, je prends la fuite. Ah merde, ah oui, bah oui, oui. Bon, reviens d'ici quelques minutes pour du Splatoon. Je pense qu'on va prendre la dague. C'est, ça va pas être incroyable hein, comme combat la dague, hein, je crois. Hein. Mais c'est fait chier parce que... Voilà, déjà ça commence bien. Mais combien de millions de coups j'avais oublié? Ah, et puis alors ces fidèles, ils sont hyper rapides. D'accord, il est en train de m'éclater là. Oh là là, ça va pas bien se passer du tout ce boss. Je vous le dis, moi, ça va pas bien se passer du tout. Oh là 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 là. Ok, alors le premier rat nous a déjà cassé la gueule. Le premier rat nous a déjà pété les dents. Premier rat nous a déjà pété les dents. J'avais oublié qu'il faisait ça, putain. Lui il fait des dingueries avec voilà ça. Aïe aïe aïe. Voilà, et de deux. Mais là le problème c'est que je vais jamais réussir à passer le boss avec une dague plus plus les points de vie que j'ai déjà perdu quoi. Où sont les armes divines quand on a besoin d'elles? Sélection répond dans mon cul évidemment, mais bon y a pas jardin donc normalement ça va. Personne n'est censé faire cette blague. Ah, j'avais oublié ça. Putain. Aïe aïe. Voilà. Ok. La phase 2 est propre. J'ai quand même pris un bon gros coup là. Mais en vrai ça allait. Mais la phase 2 c'est vraiment pas la plus compliquée. Surtout quand t'as un... Il faut pas oublier de prendre un maléfice qui peut taper à distance sur ce boss. Je l'avais oublié je crois sur une run et ça faisait vraiment trop mal. Faut oublier que mes petits potes ils me donnent de la détermination aussi là. Mais là vraiment cette phase là elle est je me rappelle qu'elle est horrible quoi. Je me rappelle des dingueries qui... Voilà ça là. Ce pattern est horrible. Watch me prendre une boulette de merde. Voilà. Et surtout il l'enchaîne. Et ça c'est affreux ça. Bah depuis quand? Attendez, depuis quand ça rend un cœur? Depuis quand ça rend un cœur? Merde, j'ai pris un coup comme un con.
Mais depuis quand ça rend des cœurs? Qu'est-ce qui se passe? Aïe. Ça, je connaissais pas ça. Attendez, what the fuck? Attendez, what the fuck? Aïe. On a la place, c'est bien là, c'est bien, c'est bien, c'est bien, on a la place. What? Y a un coup que j'ai pas pris, j'ai pas compris comment. C'est pas vrai. C'est pas possible. Il semblerait que tu m'aies remplacé, Phocidon, un démoniaque, créature de malheur. Dans ce cas, quelle sera ta décision? Seras-tu une divinité vengeresse et cruelle ou lâche, mais miséricordieuse? Cette fois-ci, le chat est tien, tout comme la responsabilité de cette décision. Épargner, tuer. Qu'est-ce qu'on fait? On va en faire un cultiste. On va l'épargner. Tu n'es qu'un être pitoyable et faible, pathétique et... Attends, non! Regardez la tête de mon perso. Il s'est fait péter la gueule. Attends, la first try, j'y crois pas. La bête sacrificielle s'est affranchie de son maître pour révéler sa véritable forme. Elle sera plus esclave désormais car elle s'est élevée au rang de divinité. Ok. Merci d'avoir joué, Nobilissime. N'hésitez pas à prêcher la bonne parole autour de vous afin que le monde puisse profiter des enseignements de l'honorable agneau. Ok. Eh bien écoutez, voilà. On a lancé juste pour les crédits. C'est parfait. Bon, donc c'est plié. Petite rediff de 10 minutes. J'espère que YouTube, que vous avez kiffé. C'est pas tous les jours que vous verrez des rediffs de 10 minutes sur cette chaîne YouTube. Donc enjoyez bien. C'était très... presque décevant le fait de le battre aussi vite alors que j'en ai trop chié. J'en ai trop chié il y a 2 semaines, j'ai pas retouché au jeu depuis et là je l'ai juste éclaté quoi. Alors que j'avais fait une P1 horrible en plus. Voilà, et donc là en fait je peux continuer à jouer si j'ai envie. Parce qu'il y a des tonnes de choses à faire. Il y a un post-game incroyable. Mais on n'ira pas plus loin, mesdames, messieurs. On va sauvegarder. Et on va quitter. Et on passera à, on va passer à Splatoon 2. Ah, le jeu a carrément... quand on dit quitter, le jeu il comprend quitter quoi. Quand on dit quitter, quitter ça veut dire quitter quoi. Quitter ça veut dire fini quoi. Quitter ça veut dire le jeu s'arrête immédiatement et rien quoi. Putain, Ruby a récupéré Contribute to the Cult Totem. D'ailleurs je peux désactiver l'extension maintenant, incroyable. Attendez, on va lancer Splatoon, on va changer le truc et puis voilà. Hein.